Le dessin tribal, dit tatouage tribal, est un dessin décoratif, comme son nom l'indique. Il a été créé il y a des milliers d'années pour marquer une appartenance à une tribu, à une identité ethnique, religieuse ou familiale. Le dessin tribal est généralement réalisé en noir, avec de grosses lignes courbées qui se terminent par une sorte de pointe. Mais les adeptes de cet art en ont ajouté d'autres fantaisies, comme les couleurs et des fois même des piercings. Une recrudescence du tatou tribal? Le dessin tribal a su se faire une belle place dans nos temps modernes. Le tatou tribal, comme certains l'appellent, n'est plus considéré comme une pratique ancestrale et religieuse, mais comme un phénomène de mode que toute personne, quelles que soient ses origines et son appartenance sociale, peut se le permettre. De plus en plus de personnes se font tatouer, même si, comme chacun le sait, ce n'est pas vraiment une partie de plaisir. Mais que ne ferait-on pas pour être dans le coup? Nous nous le demandons. Sont-ils charmants ou vulgaires? Difficile de répondre à cette question car pour les uns, cela part le corps et le rend plus beau. Pour les autres, c'est commun et ordinaire. Pourtant, il faut bien constater que le tatouage est à la mode. Le nombre de boutiques de tatouage grandit de plus en plus et au fur et à mesure que le temps passe. Les tatoueurs, des pros? Il y a bien une chose que l'on doit reconnaître, ils sont tous des dessinateurs d'excellent niveau qui réalisent pour certains de véritables œuvres d'art sur la peau. Ils ont en général une clientèle très fidèle qui vient les voir plusieurs fois par an. Origine du dessin tribal? Au début, il s'agit d'une tradition dont les dessins de couleur noire, plus tard de différentes couleurs, représentent des conceptions totalement abstraites censées mettre en valeur certaines parties du corps, comme les muscles, c'est ce qui deviendra l'art corporel. La tradition remonte à très longtemps, à des milliers d'années, puisque l'on a retrouvé des momies tatouées. À l'époque, il s'agissait d'une sorte d'identification ou d'appartenance à un groupe précis. Il semble qu'aujourd'hui, l'idée a perduré puisqu'il y a ceux qui ont des tatouages et d'autres non. Un effet de mode. Comme cet art est très apprécié par certains people, il est évident que la réaction populaire ne s'est pas fait attendre et les adeptes du tatouage ont progressé à une vitesse grand V. Il y a deux types bien distincts de personnes qui s'adonnent au marquage de leur corps, ceux qui font dans la discrétion absolue, généralement un ou deux motifs non visibles, cachés sous les vêtements, et puis il y a les autres, les purs et durs, qui ont le corps complètement enfoui sous des dessins colorés de plus ou moins bonne facture et qui comparent allègrement les images qu'ils renvoient au commun des mortels, c'est-à-dire les autres. Comme toujours, l'exagération en toute chose est plutôt nuisible et débouche sur un effet souvent non escompté. Cependant, le faire avec modération, le dessin tribal peut être élégant pour qui sait où le poser, de quelle manière et en faire une sorte de parure qui confine aux bijoux bien choisis. Et en pratique, comment faire un dessin tribal? Ce que vous devez noter, c'est qu'il touche à plusieurs catégories de sujets. Les fleurs, les animaux, mais aussi des formes abstraites. Le dessin tribal se base sur la simplification maximale du sujet. Il fait appel à la notion de la stylisation. Généralement, il est monochrome, mais vous pouvez utiliser des couleurs. Pour faire un bon dessin tribal, il vous faudra un crayon, un marqueur noir et un papier qui n'accroche pas la mine du marqueur. Car n'oubliez pas que ce qui fait l'élégance du dessin tribal, ce sont ses courbes à terminaison fine et pointue. Voilà ce qu'il en est concernant le dessin tribal. Dites-moi en commentaire si le sujet vous intéresse, si vous aimeriez que je vous fasse un petit tuto concernant le dessin tribal, concernant le dessin stylisé. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. N'oubliez pas de télécharger votre kit de dessin ou de coloriage gratuit. Les liens se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie pour tous vos j'aime et pour tous vos messages d'encouragement. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos, pour d'autres vidéos. Merci.